tous des présentations de la journée, la présentation de l'association Rectambeur et la parution de son fanzine trimestriel Revival. Je passe donc le micro à Cyril Denis, aussi connu sous le pseudonyme de Rectambeur. Bon, bonjour à tous, ça va bien? Traditionnellement, à l'RGC, le tout dernier numéro de Revival est disponible. Donc là, il est encore plus frais que d'habitude, puisqu'il a été réalisé hier soir, un peu dans la douleur. Il est ici, présent, disponible à la vente, évidemment, en plus de 4 euros sur place. Donc si vous voulez voir la numéro. Alors, juste pour info, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Revival ou l'association Rectambeur, on s'occupe de parler de tout ce qui est nouveaux jeux sur les consoles à peu près trop. Donc tout ce qu'on appelle le homebrew. Donc ça concerne toutes les consoles de la Vénérable 2600 à la Dreamcast, en passant par la Colco, la télévision, la Vénérable, la NEC, etc., etc. Donc c'est une chose qu'on essaie de faire tous les 3 mois. On en est au 48e numéro. Ça fait 13 ans qu'on fait ça. Donc on était appelé tout le monde dans le domaine, mais il n'y avait pas encore beaucoup de nouveaux jeux qui sortaient. Maintenant, il en sort tellement qu'il faudrait peut-être même faire un numéro plus fréquemment tous les 3 mois, mais après on fait ce qu'on peut sur le temps libre. Voilà. Donc ça, c'est Revival. Les derniers numéros, le 46, 47, 48, sont disponibles ici. Pour les anciens, c'est sur demande. Par ailleurs, l'association Revival réalise beaucoup moins fréquemment que tous les 3 mois ST Magazine, donc c'est plutôt ordinateur Atari que console. Voilà, donc ça, c'est le dernier numéro. Théoriquement, je dis théoriquement, ST Magazine est arrêté, s'arrête avec ce numéro 148 sorti il y a quelques mois. Après, c'est plutôt faute de participants, en vrai. Voilà. Et là, il continue et continuera encore pendant longtemps. Dans 2 numéros, ça sera le numéro 50. On espère prévoir un petit truc sympa pour l'occasion. Voilà. Donc, comme Revival, c'est le jeu vidéo, je vous propose aussi une petite vidéo qui présente un nouveau jeu vidéo pack. Bon, les consoles. Fait par Martin Benfing, qui fait pas mal de jeux sur Vectrex et Videopack. Et ce jeu est annoncé pour fin décembre. Il m'a envoyé ça hier soir, a priori il n'y a rien encore sur internet. Donc c'est une exclusivité RGC. Le jeu s'appelle Mayhem. J'ai regardé sur internet, en anglais ça veut dire grosse pagaille. Donc je vous laisse apprécier le titre. Voilà, bon, c'était bref, mais je tiens à préciser que Revival Studios n'a rien à voir avec Revival, rien à voir. Hein. Je ne touche rien, pas de coup de main, même pas, donc vous voyez. Donc simplement, le jeu, là, c'était marqué, mais il gère le module The Voice de la Videopack, il affiche le décor Videopack Plus en haute résolution. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les sprites aussi sont de plusieurs couleurs, ce qui n'est pas évident sur Videopack, visiblement, hein, je connais pas trop l'aspect technique de la console. Voilà, donc c'était juste pour faire une petite présentation de ce jeu-là. Autre présentation? Bah, je laisse parler l'artiste. Donc, moi je voulais juste quelques petites questions par rapport à l'application Revival. Je voulais connaître à peu près le tirage. Moyen. Et si je souhaite recevoir Revival sans bouger de chez moi, comment je fais? C'est assez simple. Le tirage, évidemment, n'est pas à mon échelle. J'ai déjà pas le temps de faire la communication. Tout juste le temps d'écrire les artistes, il y a pas mal. Donc on tire environ, on va dire, en global, il y a à peu près un peu moins de 50 abonnés, on va tirer autour de 60-70 exemplaires, voilà, certains prennent le numéro de façon, enfin, sans être abonnés, voilà. Donc ça reste confidentiel, alors qu'en même temps, le jeu vidéo au monde ne concerne pas des milliards de personnes, voilà, ça c'est vrai. Voilà, donc on peut le recevoir chez soi, ben, on peut commander le numéro, on l'envoie par la poste, donc il y a un site officiel, qui est revivalgames.org, voilà, c'est une association.
Voilà, donc après, on peut s'abonner pour un plus, pour la France, pour le Grand-Bretagne. Les 4000 euros, c'est 20 euros pour prendre le port pour les 4000 euros. Les 4000 euros. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y a aussi un partenariat étranger. Alors, Revival existe aussi en anglais. Alors, le contenu est un peu différent de la version française. Dans la version française, c'est, on va dire, 3/4 du logo, 20% de shoot'em up, on aime bien ça. Et puis, les quelques pourcents qui restent, on va dire 5% si j'ai bien calculé, ça doit être plutôt du rétro. Donc, on est très en logo et un peu shoot'em up principalement. La version anglaise est 100% du groupe. Il y a beaucoup moins de numéros par an, on en fait 2 voire 3 dans les bonnes années. Mais voilà, on essaye de traduire en anglais, de faire vérifier, d'avoir un bon niveau de traduction, ce qui n'est pas évident. Voilà. Donc ça, c'est essentiellement basé sur 2 personnes, la traduction. Vincent Geoffroy, vous connaissez peut-être, qui est Trapahut, qui fait toutes les boîtes des nouveaux jeux de l'écho. Voilà. Et puis Tilly Briel, qui est un électro livre, qui était à Tarif au départ, et qui est très sympathique dans cette aventure. Voilà, ça vient pas de moi les traductions. Et d'ailleurs, si vous souhaitez apporter votre petite pierre à l'édifice Revival, traduire un article ou jeu une fois de temps en temps, n'hésitez pas à contacter les vendeurs. C'est avec grand plaisir que vous pourrez participer à la construction de Revival. Et donc là, la présentation, il semblerait que vous avez ramené une belle rareté. Oui. Bon, une fois que je vais en voiture, au lieu de venir en train, j'ai amené une Adventure Vision. Alors c'est considéré comme le Graal des jeux vidéo rétro. Bon, vous attendez pas des jeux vidéo blancs, magnifiques. Le fait qu'elle soit prisée, c'est uniquement sa rareté, donc elle n'a pas forcément des qualités intrinsèques exceptionnelles. Simplement, au niveau technologique, on va dire, l'affichage se fait par un miroir rotatif. Et ce qui est sympa, c'est que les couleurs, si on peut parler de couleurs, c'est du noir et rouge, ça rappelle la Virtual Boy, à un niveau de qualité très moindre. Alors c'était réalisé par Antex, c'est américain, c'est sorti en 1982. Pour faire de la pub pour Pixel Love, il y a un très bon article, rédigé par moi-même, donc c'est de l'autopub aussi. Hein. Dans Pixel Love, dans le numéro 5, qui est en rupture stock, vous voyez, je ne vous fais pas trop forcer, il n'est même pas disponible. Alors. Dans le numéro 5, sur l'Adventure Vision. Donc c'est une console faite par Antex, c'est ce qu'on peut appeler un tabletop. Il y a des jeux à vous dire par cartouche, c'est aussi ce qui fait sa sympathie. On peut changer de jeu, mais il y en a eu que 4. Hein, pas un de plus, il y en a eu 4, pas plus de disponibles. On pourrait croire, filmé en haut, que le concepteur de la machine a envisagé de ne faire que 4 jeux, parce qu'il y a 4 emplacements pour mettre 4 jeux sur le dessus de la console. Raisenberg et le stand de Raisenberg est au niveau de la vitrine, là. Donc si vous souhaitez l'avoir tourné, bah, demandez-lui, il vous la montrera. Un dernier truc au niveau démonstration aussi. Je suis content que soit venu Arnaud Chevalier ici, plus connu sous le pseudo, ou plus connu, enfin j'en sais rien, alias Knox on va dire, et qui est venu avec ses projets, ses futures productions, on va dire, sur Mattel Intellivision, notamment Rick Dynamite, qu'on peut apparenter à Rick Dangerous. Donc si vous voulez voir ça en démonstration aujourd'hui, c'est le moment. Voilà, donc ça sera là aussi vers le stand, on va dire Revival, donc du bordel par terre, un sac à vidas, et voilà. Merci et bonne continuation à tous et à toutes. Et au tout bébé aussi, je vois, sera rassasié fréquemment là, ça m'a manqué.